Téléspectateurs, téléspectatrices, amis des nôtres, bien le bonsoir. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle sortie d'Écho des Arts pour vous présenter votre rubrique spéciale qui n'est autre que Artisan. Donc restez branchés, on vous revient. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Haïti Cabaret Night, la découverte de talents émergents est confirmée sur Radio Télépacifique. De retour après la pause et c'est parti avec un artisan qui répond au nom de Létan. Létan qui est un père de famille et une mère à la fois. Il est un peintre, il va nous présenter ses différentes œuvres confectionnées à base de bois. Doc suivant. Létan, c'est nos familles, moi. Et que nous, si sur toute table, nous, Létan, nous avons l'autre nom d'artiste, que Létan, nos familles, c'est l'inutilisé. Moi, c'est un peintre autodidacte, et que moi, formé tête, moi, pour compte, moi. C'est difficile, vous venez ça. Il y a des gens qui ont fait de l'œuvre, qui ont fait de l'œuvre, qui ont fait de l'école. Je ne dois pas faire ça. Ouais. Et que je me forme tête moi, je fais un peu de recherche, je m'achète un peu de livres, je me forme tête moi pour me capable de venir ça mieux je dis. Ouais. Et que tout rêve moi, c'était venir au grand Léonard de Vinci. Parce que c'est un modèle moi, c'est un grand autodidacte qui fait parler de lui avec la Joconde. Moi-même, ça t'inspire moi pour que moi-même, en tant qu'autodidacte, au jour le jour, on va faire recherche, on va finir des touches moi, venir avec propre style moi, et que c'est tout gloire moi pour m'apprécier et des techniques ouais, pour me capable de travailler, pour m'améliorer touche moi au jour le jour. Depuis moi dans l'école primaire, j'ai toujours aimé faire dessin. J'ai un professeur qui était pour mettre moi que m'a un grand artiste. Et que mais malheureusement, là moi arrivé dans l'année 89, j'ai choisi à l'apprendre réfrigération et climatisation. Après 10 ans, j'ai commencé à travailler sur lui. Et puis c'est comme ça, bonjour, je dormi. Et puis, moi, ouais, c'est un monde qui bon mon pinceau, mon cahier, il bon mon ciseau tout. Il dit moi que mes albums, moi, en tant qu'artiste, moi, je suis prêt, mais l'aime bien lever l'un des mains. Ma pensée avec Revlon. Mais et puis, je viens passer sous ça. Après 3 jours, même mon ça paraît le dit moi à la telle usine pour mal travail comme artiste. Mmh.
Balsin, c'est un monde qui trace la route pour moi, comme artiste, de regretter mémoire. Que c'est un monde qui est devant pile. Non seulement il est toujours encouragé moi, mais il est toujours à bonne commande pour mon travail. L'acheter toile moi. Ouais, moi fond dans le parcours, moi te compte vendre dans galerie flamboyant. Jusqu'à maintenant qu'il a dans rue Daguin. Moi vendre avec Michel Monet tout. Café des Arts, galerie Monet. Ouais. Mais après, je devine que bah, pas trop bon. De façon galerie a pas acheté. J'étais toujours pensé à atelier pas me faire atelier moi pour me capable produire pour compte moi c'est comme ça et puis un petit club que m'a fait m'économiser puis moi loin espace et puis c'est là moi commencé premier atelier comme ça peine et puis m'a fréquenté une série de clients et puis de là étant nous fait chemin nous. Son tableau collectif lié, après plusieurs signatures là-dedans. Là, c'était en 2007 tableau ça. C'est un fresque que un groupe d'artistes. À l'époque, nous avons mis sous pied Fédération Fapadèche, qui définit comme ça Fédération des artistes plasticiens et des artisans pour le développement de la culture haïtienne. Nous avons un groupe d'artistes qui nous avons peut-être nous ensemble. Nous avons fait un grand premier champ de masse, 1er mai 2007. Et que nous avons une quantité fraîche que nous peignons ensemble. Et ça permet de son tableau collectif que lié. Nous plusieurs artistes, soit bien plusieurs, nous sommes sur l'île ici. Hein. Même j'en ai l'étant là, il y a plusieurs artistes. Ce n'est pas un tableau moi-même personnel qui est inspiré. Peinture ça, grand colombe là. Il y a trois têtes là, et puis en bas, il y a l'autre tête. Ça représente moi-même avec trois petites mains. Colomb blanc, en pile chrétien qu'on est, il représente Saint-Esprit. Moi, inspiré après la mort de madame, que moi, petit madame, moi, perdu madame, moi, en 2016. Circonstance que madame non mourir a pas de faire plaisir. L'homme vient comprendre façon de mourir, c'est un fétiche. Et nous venons comprendre clair que c'est bon Dieu qui sauve la vie avec Simon Moyo. Là, c'est Saint-Esprit qui sauve nous de justesse. Et ça fait moi-même, l'image qui est en bas, il représente moi-même trois petits Moyo. Ensemble avec moi, que Saint-Esprit prend nous, il sauve nous de justesse. Parce que côté nous, il y a criminel là, pas de bonne chance. C'est bon Dieu seulement qui peut te sauver nous. Tableau, ça a un aspect que nous avons chambre. Est-ce que vous avez plus d'explications de lui-même? Son tableau paysage, c'est un tableau qui m'a travaillé toujours. Nous avons un mouvement, nous avons beaucoup fini du tout, c'est on combite. Qui là. Vous connaissez en province, bon monde qui connaît province bien yo, et paysans yo, toujours fait combite pour travailler la terre. C'est un système qui est très archaïque et que nous avons souhaité l'État pays nous penser avec pour changer. Peut-être venir avec l'autre technique moderne, motoculteur, ouais, pour aider des paysans au travail très bien. Mais nous-mêmes, nous inspirer de lui parce que nous sommes paysans. En tant que paysagiste, j'étais toujours inspiré des techniques impressionnistes. C'est au même qui parle non? Oui. J'ai des peintres impressionnistes comme Claude Bonnet, qu'on a suivi la technique que j'ai utilisée. Moi, je me dis, bon, je vais faire un bagage qui est propre à moi-même. Ouais. Et que Claude Bonnet, c'est pas ici, c'est un français. Et que je fais un peu de recherche pour me former tête.
et que moi je suis venu avec l'autre bagaille. Oui, je suis venu avec l'autre bagaille dans la peinture haïtienne. C'est ça que je suis venu avec la technique que je suis venu préparer. Grand pile peintre qui travaille avec couteau. Moi-même, technique pas maintenant, son technique préparée, un couteau préparé, une texture que je prépare pour me faire sortir le mouvement impression ça. Oui, en plus le monde que vous aimez comme un peintre impressionniste. Nous profitons d'inviter le grand public là pour passer avec nous. C'est Nadel Maral 23, numéro 5, et vous êtes capable de passer avec nous. Ouais. Téléphone nous, c'est 38 69 31 72. Nous avons l'autre numéro, c'est le numéro collègue nous, Zabilon, 37 67 81 19. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette sortie des Coups des Arts. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, on se retrouvera pour le plus prochain artisan. Donc restez branchés là, c'est 54.